Si j'étais vous, j'essaierais même pas de rentrer. Hein. Surtout avec un vélo pourrave et un pantalon crado. Ah bon? Le concierge, c'est pas un marrant. Vous avez carte? Il n'y a pas besoin de carte. Alors attendez, je vais peut-être pouvoir rentrer avec vous. Si vous voulez, mais je vous conseille de dire adieu à votre club. Vous venez pour quoi? Un job. Enfin, une sorte de job. Dites-moi, le directeur Antoine Charpentier, vous le connaissez? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, de job, c'est plutôt un job du genre obligatoire. Moi, j'aurais préféré nettoyer les plages, mais ils m'ont pas laissé le choix. Alors, j'ai pas envie de tomber sur un vieux ringard lugubre, genre rat de bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois, je vois très bien. Ah, Patricia, vous tombez bien. Ce jeune homme doit travailler ici, mais avant de commencer, il voudrait avoir des tuyaux sur Antoine Charpentier. Antoine Charpentier? Eh bien, en dehors du fait que c'est un gougnafier, une tête de mule et une brute, il fait plutôt bien son travail. Merci pour lui. Mais de rien. Mademoiselle Robineau, la directrice du centre de loisirs. Beaucoup d'humour. Super gueulé. Oui. Bon, bah, je vous laisse. Ah, le bureau de monsieur tête de mule, c'est où? Monsieur Antoine Charpentier n'est pas dans son bureau à cette heure-ci. T'habites-t-on? À deux pas d'ici, dans une petite maison. Eh, sympa. Chez mes parents. Ah, t'habites chez tes parents, ouais. Bah oui. Pourquoi? Non, pour rien. Et toi, tu vis où? Moi, par-ci, par-là, ça dépend, tu vois. Voilà, c'est là. C'est écrit dessus. Quelque chose? Ah, te voilà, toi. Bah ouais, je cherche le directeur. Aïe! Bah le cherche plus, tu l'as trouvé, c'est moi. J'y crois pas, c'est vous le directeur? J'ai bien peur que oui. Alors, pas trop ringard? Lugubre? Non, enfin, comme ça, ça va, vous avez l'air plutôt cool. Oui, ben, t'y fie pas trop. Je croyais que je t'avais demandé d'arrêter la clope, surtout ici. Non! C'est pas un cendrier? Comment ça s'est passé avec Mademoiselle Raffin? Génial. Je me demande si tout compte fait, j'aurais pas encore préféré la prison. Écoute, je sais pas ce que t'as fait. En fait, c'est... Ça m'intéresse pas. Je comprends. Je sais que tu as été condamné à une peine de travail d'intérêt général, mais pour moi, à partir de cette minute, t'es un employé comme les autres. Ok? Seul truc, c'est que je ne travaille que dans la confiance. Alors la première entourloupe... Eh hey, monsieur, vous bilez pas, hein. Je serai clean de chez clean. T'as intérêt. Monsieur le directeur. Quand vous m'appelez comme ça, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Venez voir. C'est une tenue, ça, pour travailler? Alors, ça avance? Oui, oui, ça va. 3 livres en 2 heures. Pas mal, hein? On peut dire que votre politique d'achat est géniale. Hein. Vous avez des bouquins passionnants. Bon, sérieux, Mathéo. T'essayes d'accélérer à cadence? Oui, monsieur le directeur. Et tu enlèves tes pieds de la table? Ah, excusez-moi, c'est l'habitude. Vous savez que vous pouvez tout me demander, mais alors là, travailler avec un repris de justice, c'est au-dessus de mes forces. Vous vous sous-estimez, Bénédicte. Je parle sérieusement. Regardez-le. Il a pas l'air bien méchant, non? C'est passé un truc que je m'explique pas. Ah bon, mais c'est quoi? Ben, elle a grandi sans que je m'en aperçoive vraiment, et puis un beau jour, elle a décidé de vivre sa vie. Et elle est partie. Ah bon? À chaque pays qu'elle visite, elle m'envoie un bracelet. Le plus vieux, c'est l'Argentine. Et le plus récent, c'est le Rajasthan. Ah, mais c'est super! Oui, enfin, j'espère que j'aurai le bras assez long. Bon! Hé, tu viens? Ouais, j'arrive! Bon, alors les toilettes et la salle de bain, c'est au bout, à droite. Alors, je te demande pas de loyer, par contre, si tu veux remplir le frigo de temps en temps, t'as le droit, ok? Ouais. Bon, bah, je vais essayer les toilettes.
d'à côté. Des tags. Qu'est-ce que c'est que ça, des tags? Mais non, pas des tags. Moi, ce que je fais, c'est des graphes. Rien à voir. Des graphes, il y en a au musée d'art moderne de New York. Nuance, faut pas confondre. Et j'ai à peine dépassé, hein. 50 cm. Ah bah oui, mais à cette place-là, t'as dessiné un poulet. Ah ouais, mais il me restait de la peinture. Ah, monsieur, vous dormez pas? Bah non, on est vendredi. Bon, le vendredi, vous dormez pas? C'est le jour où ma fille m'appelle. Et toi, qu'est-ce que tu fous dehors à 4h du matin? Attendez, vous êtes pas mon père, hein, je fais ce que je veux. Et ça, c'est quoi? Ça, rien. Écoute, tu fais les poubelles autant que tu veux, mais tu laisses pas ça dans le salon. Vous êtes nerveux ce soir, hein, c'est tous les vendredis comme ça. T'as jamais pensé à consulter un psy? Trouble obsessionnel compulsif. Ça se soigne, hein. Allô, chérie, c'est toi? Ouais. Ah, je suis content de t'entendre. Mathéo? Oh la vache. Oh, il fait mal aux yeux, votre costume. Quoi? J'ai un dîner important. Important, vous voulez dire avec une femme? Oui. Alors là, monsieur, sauf votre respect, hein, ça va pas le faire. Ok. Ah, alors là, c'est mieux. Surtout pour un dîner important. Merci, Mathéo. Je risque de rentrer un petit peu tard. Vous faites ce que vous voulez, hein. Encore heureux que je fais ce que je veux. Je dis simplement que je risque de rentrer un peu tard. Ah ouais, d'accord. Je risque de rentrer un peu tard. Mathéo! Debout là-dedans! Mais c'est quelle heure? Il est heure de se bouger, mon vieux. Une grande journée de travail nous attend. Mais on est dimanche. On explose les codes? On sort du ronron? C'est pas toi qui me disais ça? Allez, allez! Debout! Waouh! Oh, si? Bon, il vous a fait un petit peu comme ça, mais c'est vous, hein? Oh, bah. Écoutez, peut-être un petit peu comme ça, mais enfin, je suis pas comme ça non plus. Hein. Là, je trouve qu'il est un peu... Non. Alors? Bah, Bénédicte a quelques réticences, mais moi, j'adore. J'ai trouvé l'idée pour l'atelier. On t'écoute? Je vais leur faire fabriquer du papier. Oh! Bonne idée, Mathéo. Et avec ce papier, on va faire des livres. Deux bonnes idées, coup sur coup. Dis donc, il y en a là-dedans. Je vais vous emmener faire les poubelles, on va faire des reliures de folie. Oui, ça, les poubelles, peut-être pas, hein. Vous venez, Bénédicte? Enfin, Antoine, vous n'allez pas confier les enfants à ce garçon, quand même. Si, je crois que si, Bénédicte. Oh, Antoine.